Orléans 18e reçoit Châteauroux 13e, deux équipes qui n'ont remporté qu'un seul match cette saison. Orléans va essayer d'améliorer son sort à domicile. L'équipe d'Orléans qui inquiète de par sa défense, c'est la pire de Domino's League 2 avec 14 buts encaissés depuis le début de la saison. Et la preuve sur cette situation, la défense n'est pas rassurante. Fofana n'en profite pas pour Châteauroux. Petite panique dans la défense orléanaise. Mais les joueurs locaux s'en sortent et réussissent même à marquer le premier but de la partie. Le toucher de balle d'Anthony Letalec à la 32e minute pour permettre à la formation de Didier Olinicole de mener 1-0. Le premier but cette saison d'Anthony Letalec. Le début de match est parfait pour Orléans qui mène à la mi-temps. Châteauroux de son côté reste sur 4 matchs sans défaite. Ce serait bien d'égaliser en seconde période pour les joueurs de Jean-Luc Vasseur, mais ils sont dominés. Nouvelle opportunité pour Orléans et encore une fois pour Anthony Letalec. Les joueurs locaux sont très décidés à marquer le but du break. Et c'est fait grâce à un lob exceptionnel de Jordan Tell, le joueur prêté par le Stade Rennais. Réussit déjà son deuxième but sous les couleurs orléanaises. À 3 minutes de la fin, il plie le match et de quelle manière. Un but somptueux qui permet à Orléans de se détacher définitivement. Victoire d'Orléans, 2-0 contre Châteauroux.